Bonjour à nos chers élèves. Je me présente Sammy Lakadal, professeur de mathématiques au lycée pilote Mazawit. C'est un extrait du bac. Voilà. Soit la fonction définie sur R par f du x égale à x moins 1 plus exponentielle 1 moins x. On note C, sa courbe représentative dans un repère orthonormé OIJ. Calculer la limite de f du x lorsque x tend vers plus l'infini. Donc, pour petit a, on va calculer la limite de f lorsque x tend vers plus l'infini. Donc, pour trouver la limite de f en plus l'infini, on a ici limite lorsque x tend vers plus l'infini du x moins 1 plus exponentielle de 1 moins x. On n'a pas vu dans le cours la limite de exponentielle 1 moins x lorsque x tend vers plus l'infini. Donc il faut toujours se ramener à une limite d'une fonction usuelle, vue dans le cours. Donc ici, on va remplacer x moins 1 par moins 1 moins x plus exponentielle 1 moins x. On va utiliser ici la limite des fonctions composées. On a alors limite de 1 moins x lorsque x tend vers plus l'infini égale à moins l'infini, limite de moins x, on va remplacer 1 moins x par moins x plus exponentielle de x, on a ici la limite des fonctions composées, on a alors limite de moins x lorsque x tend vers moins l'infini égale à plus l'infini et exponentielle x lorsque limite de exponentielle x lorsque x tend vers moins l'infini égale à 0. On a alors limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini égale à plus l'infini. Donc la limite de f lorsque x tend vers plus l'infini égale à plus l'infini. Deuxième question, petit b. Montrez que la droite delta y égale à x moins 1 est une asymptote oblique à la courbe au voisinage de plus l'infini. On sait que pour démontrer ou pour démontrer que, que une droite est une asymptote oblique, il faut montrer que la limite de la différence entre f de x et l'équation de la droite, c'est-à-dire f de x moins 1x plus b, égale à 0. Ici, la droite a pour équation y égale à x moins 1. Donc qu'est-ce qu'il faut faire Il faut calculer la limite de la différence entre f de x et x moins 1. Il faut trouver alors un 0. Voilà. Donc, on a limite de f de x moins x moins 1 lorsque x tend vers plus l'infini égale à limite de exponentielle 1 moins x. De même, il faut calculer cette limite à l'aide des limites des fonctions composées. On sait que limite de 1 moins x lorsque x tend vers plus l'infini égale à moins l'infini et limite de exponentielle x lorsque x tend vers moins l'infini, égale à 0. Par suite, la limite de f de x moins x moins 1, égale à 0. Donc, la droite y égale à x plus 1 est une asymptote oblique au voisinage de plus l'infini. Donc, pour démontrer que la droite y égale à x moins 1 est une asymptote oblique, il suffit de montrer que la, la limite de la différence entre f de x et l'équation de la droite égale à combien Égale à 0. Question petit c. montrer que la limite de f au moins l'infini égale à plus l'infini et calculer limite de f de x sur x. Donc on veut démontrer ici, on va étudier les branches infinies de la courbe au voisinage de moins l'infini. On sait qu'au voisinage de plus l'infini, la courbe admet une asymptote oblique. Maintenant, on va étudier les branches au voisinage de moins l'infini. Donc, on va calculer la limite de f en moins l'infini. Voilà. Donc, limite de f en moins l'infini, c'est limite lorsque x tend vers moins l'infini de x moins 1 plus exponentielle 1 moins x. Égale... Donc, avec la même manière, on va utiliser la limite des fonctions composées. Donc, on a ici limite de 1 moins x lorsque x tend vers moins l'infini égale à plus l'infini. On a alors limite de moins x plus exponentielle x. C'est la fonction ici, la composée entre la fonction x associée moins x plus exponentielle x, avec x associé 1 moins x. Donc, ici, il faut mettre x en facteur. Donc, parce qu'ici, on a forme indéterminée. Donc on a ici moins l'infini et ici plus l'infini. Donc il faut mettre x en facteur. On va avoir x facteur, exponentielle x sur x moins 1. On sait que exponentielle x sur x au voisinage de plus l'infini égale à plus l'infini. La limite de x égale à plus l'infini, le produit entre la limite de x et la limite de exponentielle x sur, sur x moins 1 nous donne plus l'infini. Par suite, la limite de f en moins l'infini égale à plus l'infini. Donc, pour étudier les branches infinies, il est nécessaire d'avoir la limite de f de x sur x, puis on peut interpréter graphiquement d'après le résultat trouvé. On note f', la fonction dérivée de f, Déterminer f' prime de x. La fonction f définie par x associé f de x égale à x moins 1 plus exponentielle 1 moins x. Donc ça, cette fonction, elle est dérivable comme somme de deux fonctions dérivables. On sait que x associé x moins 1 est une fonction dérivable comme fonction affine ou fonction polynôme de premier degré. On sait encore que x associe 1 moins x, elle est dérivable sur r. Donc, x associe exponentielle 1 moins x, elle est dérivable sur r. Donc, et on sait que la somme de deux fonctions dérivables est une fonction dérivable. La dérivée de la fonction x associe x moins 1 égale à 1. Et on sait que la dérivée de 1 moins x, x associe 1 moins x égale à moins 1, donc on va obtenir la dérivée de x, la dérivée de f, donc égale à 1 moins exponentielle 1. 1 moins x. Donc, la dérivée ici, donc f' prime de x égale à 1 moins exponentielle de x, quel que soit x appartient à r. en petit b. Donc, pour la dérivée, on a trouvé donc f de x, f prime de x égale à donc 1 exponentielle 1 moins x moins 1 ou 1 moins exponentielle moins x. Voilà. Voilà. f prime de x égale à 1 moins exponentielle 1 moins x. Donc pour étudier les variations de la fonction f, il faut déterminer le signe de la dérivée. Donc pour déterminer le signe de la dérivée, il faut chercher le signe de 1 moins exponentielle 1 moins x. Et c'est l'objectif de question B. Donc, montrer que exponentielle 1 moins x inférieur à 1 pour tout x supérieur à 1 et exponentielle 1 moins x supérieur à 1 pour tout x inférieur ou égal à 1. Donc, pour démontrer ça, voilà. C'est une inéquation. Il faut résoudre toujours une inéquation par l'équivalence. Toujours, il faut résoudre une inéquation par l'équivalence. On a ici x supérieur ou égal à 1 signifie, donc tout d'abord, ce n'est pas résoudre une équation ici, donc il faut montrer l'inéquation exponentielle 1 moins x inférieur ou égal à 1. On a x supérieur ou égal à 1 signifie 1 moins x négatif, signifie exponentielle de 1 moins x inférieur à exponentielle 0, parce que x associé exponentielle x, c'est une fonction strictement croissante. On sait que toute fonction strictement, si on a une fonction strictement croissante, si a inférieur à b, on a f de a inférieur à f de b. Donc on a 1 moins x inférieur à 0. La fonction exponentielle est une fonction strictement croissante. Donc on peut appliquer l'exponentielle. On a alors exponentielle 1 moins x, elle est inférieure ou égale à exponentielle 0, signifie. On sait que exponentielle 0 égale à 1, donc signifie exponentielle 1 moins x inférieur ou égal à 1. Quel que soit x, appartient à 1 plus l'infini. Donc, la première partie, ça y est. Donc, on a x si x appartient à 1 plus l'infini. On a exponentielle 1 moins x, elle est toujours inférieure ou égale à 1. De même, on montre que si x inférieur ou égal à 1, on a exponentielle 1 moins x, elle est supérieure ou égale à 1 à 1. Donc ici x inférieur ou égal à 1 signifie 1 moins x elle est supérieure ou égale à 0 car 1 est supérieur à x signifie donc exponentielle de 1 moins x supérieur à exponentielle 0 car la fonction exponentielle elle est une fonction strictement croissante par suite exponentielle 1 moins x elle est supérieure ou égale à 1 pour tout x inférieur ou égal à 1. Donc on a trouvé Ici, le signe de la dérivée. Donc si x supérieur à 1, on a exponentielle 1 moins x, elle est inférieure à 1. Et si x inférieur à 1, exponentielle 1 moins x, elle est supérieure égale à 1. Donc on sait que la dérivée f' prime de x égale à 1 moins exponentielle 1 moins x. Donc il faut comparer 1 avec exponentielle 1 moins x. Voilà. Donc on a trouvé alors que exponentielle 1-x, elle est inférieure à 1 pour x supérieur à 1 et exponentielle 1-x, elle est supérieure à 1 pour x appartient à moins l'infini 1. Maintenant, on va dresser le tableau de variation. Donc pour dresser le tableau de variation, il faut étudier le signe de la dérivée pour... Cherchez le signe de la dérivée. Donc, d'après la question petit b, on a, voilà, on a, quel que soit x, appartient à r, f' de x égale à 1 moins exponentiel 1 moins x. D'après la question petit b, on a trouvé que la dérivée, elle est positive pour x, appartient à 1 plus l'infini. La dérivée, elle est négative pour x, appartient à moins l'infini 1. Il nous reste de chercher où s'annule la dérivée. Donc, f prime de x égale à 0 équivaut à dire 1 moins exponentielle 1 moins x égale à 0, équivaut à dire exponentielle 1 moins x égale à 1, égale à exponentielle 0, donc équivaut à dire 1 moins x égale à 0, équivaut à dire que x égale à 1. Donc c'est une équation, toujours une équation, il faut résoudre une équation avec l'équivalence. Donc on a la dérivée, elle est positive sur 1 plus l'infini, la dérivée elle est négative sur moins l'infini 1, et la dérivée s'annule en 1 et voilà alors le tableau de variation on a le signe de la dérivée puis on a les variations de la fonction f donc la fonction f elle est strictement décroissante sur l'intervalle moins l'infini 1 elle est strictement croissante sur l'intervalle 1 plus l'infini et voilà le tableau de variation Je répète si x appartient à moins l'infini 1 la dérivée elle est négative par suite, la fonction f, elle est strictement décroissante. Sur 1 plus l'infini, la dérivée s'annule, donc elle est strictement croissante. Et en 1, la dérivée s'annule. Au voisinage, donc, de plus limite, au voisinage, limite en plus l'infini égale à plus l'infini. Et limite en moins l'infini égale à plus l'infini. On va tracer. La droite delta qui est l'asymptote de la fonction de la courbe et la courbe. Voilà. Donc ici, on a la droite delta qui est l'asymptote. Et voilà. La tangente horizontale au point d'abscisse 1. Pourquoi la tangente horizontale parce que la dérivée s'annule en 1, alors la courbe admet une tangente horizontale au point d'abscisse 1. Donc au point d'abscisse 1, c'est-à-dire au point 1, f de 1. On sait que f de 1 est égal à 1. Donc au point 1, f de 1, on a une tangente horizontale. Et voilà la courbe. La courbe, on sait que la fonction f, la courbe de la fonction f admet une branche parabolique de direction Oj au, au voisinage. De plus l'infini, on a trouvé que limite de f de x sur x égale à moins l'infini. Et, et on sait que limite de f de x moins x moins 1, on a trouvé égale à 0. Donc c'est une asymptote oblique. Donc la courbe elle est décroissante, puis elle est strictement croissante. Une autre chose, l'intersection avec l'axe des ordonnées, on peut trouver ça à l'aide de. Il suffit de calculer f de 0. F de 0 à peu près 1,7, c'est exactement E moins 1, c'est à peu près 1,7. Et voilà, ici on a F2, F de 0. Voilà. Donc, et voilà la courbe. Je vais répéter quelque chose. Donc, voilà. Ici, on a un tableau de variation. Donc, la courbe. A une branche parabolique de direction OJ au, au voisinage de moins l'infini, puis ici une tangente horizontale, puis au voisinage de plus l'infini, on a trouvé une asymptote oblique, et au point 1,1, on a une tangente horizontale. Et voilà la courbe. Très bien. Question numéro 3. Soit lambda un réel strictement positif. On désigne par A lambda l'air en unité d'air de la partie du plan limitée par la courbe C et la droite delta et les droites d'équation x égale à 0 et x égale à lambda. Exprimer A lambda en fonction de lambda. Donc, voilà. Donc, ici, L'air à lambda est l'air en unité d'air de la partie limitée par la courbe C et la droite delta. C'est-à-dire, voilà, ici on a. Donc la courbe C et la droite delta, on va ici, donc ici on a lambda entre 0 et lambda, donc l'air limité entre la courbe et la droite delta. Donc, par définition, on sait que l'air, c'est entre... La courbe et la droite delta est l'intégrale entre 0 et lambda du valeur absolue de f de x moins l'équation de x, de l'équation de la droite, c'est x moins 1. Donc valeur absolue de f de x moins x moins 1 égale à exponentielle de 1 moins x. Et on sait que exponentielle 1 moins x est strictement positive. Donc on peut enlever les valeurs absolues. Donc l'intégrale de 0 à lambda exponentielle 1 moins x égale. Donc la primitive, une primitive de exponentielle 1 moins x, c'est moins exponentielle 1 moins x. Donc entre 0 et lambda, nous donne moins exponentielle 1 moins lambda. Il suffit de remplacer x par lambda, puis il faut remplacer x par 0. On a alors a lambda égale moins exponentielle 1 moins lambda plus exponentielle e. Donc a lambda égale moins e puissance 1 moins lambda plus Calculer la limite de A lambda pour lambda tend vers plus l'infini. Voilà. Limite de A lambda lorsque lambda tend vers plus l'infini nous donne limite lorsque lambda tend vers plus l'infini de E moins E puissance A moins lambda. E puissance A lambda, on peut l'écrire E fois E puissance moins lambda, c'est-à-dire E sur E puissance lambda. Donc, nous donne limite lorsque lambda tend vers plus l'infini de E moins E sur E exponentielle de lambda. Donc, nous donne, on sait que E sur E lambda, pardon, on sait que limite lorsque lambda tend vers plus l'infini de E puissance lambda nous donne plus l'infini. Donc, limite de E sur E lambda lorsque lambda tend vers plus l'infini nous donne 0. Alors, la limite de A lambda lorsque lambda tend vers plus l'infini nous donne soit la fonction f définie sur r par f de x égale à x plus 2 fois exponentielle moins 1 sur 2 fois x. On désigne par c la courbe représentative de la fonction f dans un repère orthonormé OIJ. Calculer la limite au moins l'infini, puis calculer f de x sur x lorsque x tend vers moins l'infini, puis interpréter graphiquement le résultat. Voilà. Qu'est-ce un numéro A Numéro 1, petit a, limite en moins l'infini de f de x. Qu'est-ce qu'on remarque ici Limite de f en moins l'infini nous donne limite lorsque x tend vers moins l'infini, x plus 2 fois exponentielle moins 1 demi de x. C'est la limite. De deux fonctions, on cherche limite de exponentielle moins un demi x tout d'abord, à l'aide du théorème des fonctions, des limites des fonctions composées. On a limite de moins 1 demi de x lorsque x tend vers moins l'infini nous donne plus l'infini. Limite de exponentielle x lorsque x tend vers plus l'infini égale à plus l'infini. On a alors limite lorsque x tend vers moins l'infini de exponentielle moins 1 demi x égale à Bien sûr, à plus l'infini. En plus, limite de x plus 2, lorsque x tend vers moins l'infini, nous donne moins l'infini. On a alors limite du produit, donc limite x tend vers moins l'infini de x plus 2 fois exponentielle moins 1 demi x, égale à combien Égale à moins l'infini, vu que la fonction limite de exponentielle moins 1 demi x en moins l'infini nous donne plus l'infini, et limite de x. Plus 2, lorsque x tend vers moins l'infini, égale à moins l'infini. Donc, le produit tend vers moins l'infini. Donc, la limite de f égale à moins l'infini. Donc, il faut chercher alors la limite de f de x sur x. Pourquoi Pour étudier les branches infinies au voisinage de moins l'infini. Donc, maintenant, on va calculer la limite de f de x sur x lorsque x tend vers plus l'infini, moins l'infini. Et interpréter graphiquement le résultat. Voilà. Donc, on a ici f de x sur x, la limite en moins l'infini, égale à limite x plus 2 sur x, lorsque x tend vers moins l'infini, fois exponentielle moins 1 demi x. On sait que limite, lorsque x tend vers moins l'infini de x plus 2 sur x, c'est le monome le plus haut degré, nous donne limite lorsque x tend vers moins l'infini de x sur x, comme c'est une fonction rationnelle. Donc, on sait que limite de x sur x lorsque x tend vers moins l'infini nous donne 1. Et on sait, d'après la question précédente, donc limite de x lorsque x tend vers moins l'infini de exponentielle moins 1 demi x égale à plus l'infini. On a étudié ça. Question A. Alors, limite du produit nous donne plus l'infini. Donc, on a alors limite de f de x sur x lorsque x tend vers moins l'infini. Égal à combien Égal à plus l'infini. Donc, on a trouvé que limite de f au voisinage de moins l'infini égale à moins l'infini. Donc, limite de f au moins l'infini nous donne moins l'infini. Limite de f du x sur x lorsque x tend vers moins l'infini égale à plus l'infini. On a alors Cf est une branche parabolique, admet une branche parabolique de direction Oj au, au voisinage de moins l'infini. Donc, si la limite de f égale à l'infini et la limite de f du x sur x égale à encore égale à l'infini plus ou moins l'infini, donc on va avoir que la courbe CF admet une branche parabolique de direction OJ au, au voisinage de moins l'infini. Maintenant, on va étudier les branches au voisinage de plus l'infini. Montrez que la limite de f en plus l'infini égale à 0. Puis interpréter graphiquement le résultat. Voilà. On a limite de f en plus l'infini égale à limite de x plus 2 fois exponentielle moins 1 demi x lorsque x tend vers plus l'infini. Égale à limite. On va développer. Donc limite lorsque x tend vers plus l'infini, x exponentielle moins 1 demi x plus 2 exponentielle moins 1 demi x, on a développé parce qu'on n'a pas ici, on ne peut pas calculer la limite directement. C'est une forme indéterminée. Donc, on va développer. Puis, on va utiliser la limite des fonctions composées. Donc, on a ici, on va multiplier par moins 2 et diviser par moins 2. On a alors limite lorsque x tend vers plus l'infini, moins 2 facteurs, moins 1 demi x, moins 1 demi fois exponentielle moins 1 demi x, plus 2 exponentielle moins 1 demi x. On sait que. Limite de moins 1 demi x lorsque x tend vers plus l'infini nous donne moins l'infini, c'est la fonction u. Et l'autre fonction, on a limite lorsque x tend vers moins l'infini, moins 2x x exponentielle x, plus 2 exponentielle x égale à combien Égale à 0, car limite de x exponentielle x, on a vu ça dans le cours, égale à moins l'infini, et limite de exponentielle x égale à... Zéro. Donc limite de x exponentielle x au moins l'infini nous donne 0 et limite de exponentielle x égale à 0, donc limite de la somme nous donne 0. On a alors limite de f égale à 0. On sait que si limite au voisinage de l'infini égale à constante, alors la droite y égale à cette constante est une asymptote horizontale. D'où l'interprétation graphique ici comme limite de f en plus l'infini égale à 0, alors la droite d'équation y égale à 0 est une asymptote horizontale au voisinage de plus l'infini. Donc au voisinage de plus l'infini, ici on a une asymptote horizontale d'équation y égale à 0, et on a vu, euh, pour les limites au, moins, au voisinage de moins l'infini, on a trouvé une branche parabolique de direction Oj. Donc, au voisinage de moins l'infini, on a trouvé une branche parabolique de direction OJ. Au voisinage de plus l'infini, on a trouvé une asymptote horizontale d'équation Y égale à 0. Deuxième question. Déterminer les coordonnées des points E et F, intersection de la courbe avec respectivement l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées. Donc, pour trouver l'intersection avec l'axe des abscisses, donc, il faut. Résoudre l'équation f de x égale à 0. Tout d'abord. Voilà. Donc on sait que e xy appartient à l'intersection de la courbe inter, l'axe des abscisses, c'est l'axe OI, signifie, on a un système ici, il faut résoudre ça avec un système, avec une équivalence. Donc signifie que f de x égale à y, l'équation de la courbe, et y égale à 0, l'équation de la droite OI. Signifie f de x égale à 0, on va remplacer y par 0 et y égale à 0. Signifie, on va remplacer f de x par sa valeur, on sait que f de x est x plus 2 exponentielle moins 1 demi de x égale à 0 et y égale à 0. On a alors, on sait que exponentielle moins 1 demi x différent de 0, on a alors x plus 2 égale à 0 et y égale à 0, d'où nous donne l'intersection entre la courbe de f et l'axe des abscisses est un point E, D'abscisse moins 2 et d'ordonnée 0. Donc l'intersection avec l'axe des, des abscisses est le point E d'abscisse moins 2 et d'ordonnée 0. Et voilà les coordonnées du point d'intersection avec l'axe des abscisses. De même, on cherche l'intersection avec l'axe des ordonnées. Ici, il faut résoudre le système. Donc, on a f, y appartient à la courbe CF inter OJ, signifie x égale à 0 et y égale à f de x. x égale à 0, c'est l'équation de l'axe OJ, y égale à f de x, l'équation de la courbe de f. On a alors x égale à 0, y égale à, on remplace x par 0, donc y égale à f de 0 égale à 2, d'où CF inter OJ égale à le point f de coordonnées 0, 2. Donc ici, on a trouvé l'intersection de la courbe avec l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées. Donc l'intersection avec l'axe des abscisses, c'est un point de coordonnées moins 2, 0. Et l'intersection avec l'axe des ordonnées est un point F de coordonnées 0, 2. Troisième question. Petit a, dresser le tableau de variation. Donc pour dresser le tableau de variation, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut calculer la limite, la, la dérivée, et étudier le signe de la dérivée. On a essayé de calculer la limite pour les premières questions. Donc on sait que la fonction f définie par x associé f de x égale à x plus 2 exponentielle moins demi de x. Donc c'est le produit entre deux fonctions dérivables. Et on sait que le produit de deux fonctions dérivables, c'est une fonction dérivable. On sait que x associé x plus 2 est dérivable sur R. Maintenant, on veut démontrer que x associé exponentielle moins 1 demi x dérivable sur R. On a x associé moins 1 demi x est dérivable sur R, donc x associé exponentielle moins x sur 2 est dérivable aussi sur R. Par suite, f est dérivable sur R comme produit de deux fonctions dérivables sur R. Et pour tout réel x, on a on sait que la dérivée de la composée de deux fonctions, la dérivée du produit de deux fonctions f fois g nous donne f prime g plus g prime f. On a ici f prime de x nous donne 1, c'est la dérivée de la fonction x associée x plus 2 fois exponentielle moins 1 demi x plus x plus 2 fois la dérivée de x associée exponentielle moins 1 demi de x. On sait que la dérivée de la fonction exponentielle f, c'est f prime exponentielle f. Et voilà, la dérivée de x associée à moins 1 demi x et moins 1 demi, on a alors f prime de x égale 1 fois exponentielle moins 1 demi de x plus x plus 2 fois moins 1 demi de x exponentielle moins 1 demi de x. On peut mettre exponentielle moins 1 demi de x en facteur. On a alors 1, -1, /2 -1 moins 1 demi de x moins 1 fois exponentielle moins 1 demi de x, d'où f prime de x égale moins 1 demi de x fois exponentielle moins 1 demi de x. Maintenant, il faut étudier le signe de la dérivée. Je répète, f prime de x égale à moins 1 demi de x fois exponentielle moins 1 demi de x. Le signe de f prime de x dépend de quoi dépend du signe de moins un demi de x. Pourquoi Parce qu'on sait que l'exponentielle de moins un demi de x, elle est toujours strictement positive. Quel que soit x, ça appartient à r. Alors, le signe de f' de x dépend du signe de moins un demi de x. Et le signe de moins un demi de x, on sait ça d'après première année secondaire, le signe de ax plus b, donc signe de a et signe de l'opposé de a, et ça Ici, on sait que a c'est moins un demi. La dérivée s'annule en 0. Ici on a f prime de x, elle est positive sur moins l'infini 0, c'est le signe de l'opposé de moins 1 demi. Et elle est négative sur 0 plus l'infini, c'est le signe de moins 1 demi. Donc ici, le tableau de variation alors contient la dérivée, le signe de la dérivée, les variations et le domaine de définition qui est moins l'infini 0. On a alors la dérivée, elle est positive sur moins l'infini 0 et négative sur 0 plus l'infini. Et ça en 0, donc elle est strictement croissante, puis elle est strictement décroissante. La limite en moins l'infini égale à moins l'infini, limite en plus l'infini, on a calculé ça, égale à 0. Et f de 0 égale à 2, on sait que le point d'abscisse 0 est d'ordonnée 2, en ce point, la courbe admet une tangente horizontale. Et au voisinage plus l'infini, la courbe admet une asymptote horizontale encore. Et au voisinage de moins l'infini, on a une branche parabolique. Maintenant, petit b, montrer que la courbe C admet un point d'inflexion K dont on déterminera les coordonnées. C'est quoi un point d'inflexion dans le cours, on a une définition. Donc, on a le point, est un, le point K est un point d'inflexion si la courbe traverse sa tangente. Traverse sa tangente, c'est-à-dire euh, la courbe, elle est en dessous, puis elle est au-dessus, ou l'inverse. Et pour trouver le point ou l'abscisse du point d'inflexion, on a vu dans le cours, il faut calculer la dérivée seconde, puis... Il faut déterminer le signe de la dérivée seconde. On a K d'abscisse A d'ordonnée f de A est un point d'inflexion si la dérivée seconde s'annule en A en changeant de signe. Donc qu'est-ce qu'il faut chercher ici Il faut calculer la dérivée seconde de la fonction f, puis étudier le signe de la dérivée seconde. On sait que f' de x égale à moins 1 demi de x fois exponentielle moins 1 demi de x. F' elle est dérivable sur r comme produit de deux fonctions dérivables. Donc notre fonction f elle est deux fois dérivable. Elle est deux fois dérivable. Donc on calcule la dérivée seconde. Donc f seconde de x, ici de la forme f fois g, f' g plus g' f. Donc la dérivée de x associée à moins 1 demi x c'est moins 1 demi. La dérivée de x associée, exponentielle moins 1 demi de x, c'est moins 1 demi exponentielle moins 1 demi de x. Et voilà le calcul. On a alors f seconde de x égale moins 1 demi exponentielle moins 1 demi de x, moins 1 demi fois moins 1 demi exponentielle moins 1 demi de x. On peut mettre 1 demi exponentielle moins 1 demi de x en facteur de 1 demi de x moins 1. On peut mettre encore une autre fois 1 demi en facteur. On a alors f seconde de x égale à 1 quart, 1 demi fois 1 demi donne 1 quart, exponentielle moins 1 demi de x facteur de x moins 2, quel que soit x appartient à R. Donc, f seconde de x égale 1 quart exponentielle moins 1 demi de x fois x moins 2. On cherche le point d'inflexion, c'est-à-dire il faut déterminer où il faut chercher le signe de f seconde, il faut chercher où s'annule f seconde, ou est-ce qu'elle change de signe ou non. Donc, le signe de f seconde dépend du signe de x moins 2. Pourquoi Parce que 1 quart exponentiel moins 1 demi de x, elle est toujours strictement positif. Donc, f seconde de x égale à un quart exponentiel moins 1 demi de x fois x moins 2 dépend du signe de x moins 2 car un quart exponentiel moins 1 demi de x, elle est strictement positive. On a alors le signe de f seconde et celui de x moins 1. Donc f seconde de x égale à 0 si x moins 2 égale à 0. F seconde de x positif si seulement si x moins 2 positif. F seconde de x négatif si seulement si x moins 2 est négatif. Le tableau de signes de x moins 2, donc s'annule en 2, négatif sur moins l'infini 2 et positif sur 2 plus l'infini. On a alors les hypothèses du théorème. F seconde s'annule en 2. En changeant deux signes, d'où le point K d'abscisse 2 d'ordonnée f de 2 est un point d'inflexion pour la courbe C. Avec f de 2, on peut calculer f de 2 égale à 4 fois e puissance moins 1 égale à 4 sur E. On va utiliser ça pour la courbe. Donc ici, la courbe C admet un point d'inflexion K d'abscisse 2. Pourquoi? Parce que la dérivée seconde. S'annule en deux en changeant de signe. Voilà. On va tracer la courbe maintenant. On a ici X, le tableau de variation de F. On a F'. Positif sur 0 plus l'infini, donc la fonction, elle est décroissante. Donc la courbe donc décroît vers, vers quoi Vers l'asymptote y égale à 0. Et on sait, au voisinage du moins l'infini, la fonction admet une branche parabolique. Et au point d'abscisse 2, il y a quoi Il y a une tangente horizontale. Et voilà alors la courbe. Voilà. On a, on a tracé ici une tangente. C'est quoi la tangente ici La tangente à la courbe, c'est la tangente au point d'abscisse K. Donc il suffit de chercher f' de 2 et tracer la tangente. Et on sait que. Le point K est un point d'inflexion. C'est pourquoi la courbe elle est en dessous puis elle est au dessus de sa tangente. On sait que f seconde elle est négatif sur moins l'infini 2, c'est pourquoi ici la tangente elle est au dessus de sa courbe et ici elle est au dessus car f seconde elle est elle est supérieure à 0. Donc ici il y a un changement de concavité au point d'abscisse K parce que le point au point d'abscisse K, la courbe, admet un point d'inflexion. L'intersection de la courbe avec l'axe des abscisses, c'est le point E d'abscisse moins 2 d'ordonnée 0. Et l'intersection de la courbe avec l'axe des ordonnées, c'est le point F d'abscisse 0 et d'ordonnée 2. Et voilà la construction de la courbe de f. Donc, la fonction elle est strictement croissante sur moins l'infini 0. Elle revient d'une branche parabolique de direction OJ au voisinage de moins l'infini. Il y a une tangente horizontale parce que la dérivée s'annule au point d'abscisse 0, c'est-à-dire le point f02. Et puis, la courbe admet une asymptote horizontale d'équation y. Égale à 0 au voisinage de plus l'infini. Et le point K, c'est un point d'inflexion. D'où la construction de la courbe. On pose I0 égale l'intégrale de moins 2 à 2 exponentielle moins t. Et pour tout n appartient à n étoiles, I n égale à l'intégrale de moins 2 à 2 t plus 2 puissance n exponentielle moins t dt. Calculer i0. Tout d'abord, est-ce que l'intégrale i0 existe ou non Oui, existe. Pourquoi Parce que la fonction t associée exponentielle moins t est une fonction continue sur l'intervalle moins 2, 2, d'où l'existence de l'intégrale. De même, i n, t associée t plus 2 puissance n exponentielle moins t, elle est continue sur tout r. En particulier ici sur moins 2 2. Donc comme la fonction elle est continue sur moins 2 2, d'où l'existence de l'intégrale im. Donc euh, d'où l'existence des deux intégrales. On veut calculer i 0. Donc i 0 c'est l'intégrale de moins 2 à 2 exponentielle moins t dt. Il faut trouver une primitive de exponentielle moins t. On sait que on peut mettre ici moins et moins. Pourquoi Pour mettre de la forme f' exponentielle f. On sait que f' exponentielle f, sa primitive c'est exponentielle f. Et voilà, donc exponentielle moins t, c'est la primitive de t associé moins exponentielle moins t. Entre moins 2 et 2, je remplace t par 2, puis t par moins 2, on va avoir moins exponentielle moins 2 moins exponentielle 2. Donc I0 égale E carré moins E puissance moins 2. Donc I0 égale à E puissance 2 moins E puissance 2. C'est l'intégrale I0. On veut calculer maintenant I1, montrer que I1 égale. Donc I1, c'est l'intégrale de moins 2 à 2, T plus 2 exponentielle moins T. Ici, on va utiliser l'intégration par partie. On pose U de T égale T plus 2, alors U prime de T égale à 1. V' prime de t égale à exponentielle moins t, donc la primitive de exponentielle moins t ici, donc on peut mettre moins exponentielle moins t. On sait que exponentielle ax plus b a pour primitive 1 sur a exponentielle ax plus b. Donc a ici c'est moins 1. On a alors u fois v, donc c'est-à-dire moins exponentielle moins t fois t plus 2 entre moins 2 et 2, moins l'intégrale v fois u prime de moins exponentielle moins t fois 1, c'est-à-dire moins et moins nous donne plus, plus intégrale de exponentielle moins t. Donc, i1 égale, je remplace t par 2, nous donne 2 plus 2 égale à 4, fois moins exponentielle moins 2 nous donne moins 4 sur e carré, plus. La primitive, donc l'intégrale de moins 2 à 2 exponentielle moins t, égale la primitive de exponentielle moins t, égale à moins exponentielle moins t, entre moins 2 et 2, égale à moins 4 sur e carré, moins 1 sur e carré, plus e carré. On a alors, égale, moins 5 sur e carré, plus e carré. Voilà ce qu'il fallait chercher. Donc, i1 égale à e carré, moins 5 sur e carré. On a utilisé ici l'intégration, la méthode de l'intégration par partie. Une autre fois, une intégration par partie. Montrez que pour tout entier naturel non nul, I n plus 1 égale à n plus 1 fois I n moins 4 à la puissance n plus 1 sur E carré. Donc la même méthode. On pose U égale à T plus 2 puissance n plus 1. Alors U prime de T égale à n plus 1. T plus 2 puissance n, c'est de la forme F à la puissance n. On sait que f à la puissance n a pour dérivé n fois f prime fois f à la puissance n moins 1. Ici, on a n plus 1 devient n. Donc, v prime de t égale à exponentielle t. Donc, v de t égale à moins exponentielle moins t, la primitive de exponentielle t. Donc, en appliquant la formule d'intégration par partie, on a alors I n plus 1 égale produit t plus 2 puissance n plus 1 fois moins exponentielle moins t, entre moins 2 et 2, moins l'intégrale n plus 1 moins moins, nous donne plus, intégrale t plus 2 à la puissance n, exponentielle moins t, et voilà, donc le résultat, ainsi on a i n plus 1 égale moins 4. On va remplacer t par 2, nous donne 2 plus 2, 4, moins 4 à la puissance n plus 1, sur e carré, plus n plus 1 et l'intégrale, c'est égal à in. Cette intégrale est égal à in. Donc, in plus 1 est égal à moins 4 à la puissance n plus 1 sur e carré plus n plus 1 fois in. D'où le résultat. Donc, on a démontré avec une intégration par partie que l'intégrale, qu'une relation de récurrence qui se trouve entre in plus 1 et i de n. Donc, in plus 1 est égal à n plus 1 i de n moins 4 à la puissance n plus 1 sur E c'est-à-dire si on a I1, on peut trouver I2, si on a I2, on peut trouver I3, etc. Déduire I2. Donc, on sait, on sait ici, <coughs> d'après ce qui précède, que IN plus 1 égale à moins 4 à la puissance N plus 1 sur E carré. Plus n plus 1 i de n. Pour trouver i2, qu'est-ce qu'il faut faire Il suffit de remplacer n par 1. On peut remplacer n par 1 car cette formule est applicable quel que soit n appartient à n étoiles, c'est-à-dire à partir de n égale à 1. Donc i2 égale à combien alors Si je remplace n par 1, nous donne 1 plus 1 nous donne 2, égale à moins 4 à la puissance 1 plus 1 nous donne 2. Nous donne moins 4 à la puissance 2 sur e carré plus 1 plus 1 fois i1. On a trouvé i1 euh, dans la question petit a, donc on peut déduire alors i2. Voilà alors. Pour n égale à 1, on a i2 égale moins 4e carré. On a remplacé n par 1, moins 4 au carré sur e carré plus 2 i1. On sait que I1 égale à E carré moins 5 d'après la question petit b, que I1 égale à E carré moins 5 sur E carré. On a alors I carré, I2 égale à moins 16 sur E carré plus 2, 4 au carré égale à 16 sur E carré plus 2, facteur, on sait que I1 égale à E carré moins 5 sur E carré. Donc I2 égale à combien Moins 26 sur E carré. Donc, ici, moins 16, ici, moins 10, nous donne moins 26, moins 26 sur e, carré, plus 2e. Carré. Donc, on a trouvé i2 à partir de i1. On peut trouver i3, on peut trouver i4, etc. À l'aide de la relation de récurrence qui se trouve entre la suite i2n plus 1 et i2n entre le terme i2n plus 1 et i2n. On désigne par D le domaine du, du plan limité par la courbe C, l'axe des abscisses et les droites x égale à moins 2 et x égale à 2. Je répète, on désigne par D le domaine du plan limité par la courbe C, l'axe des abscisses et les droites x égale à moins 2 et x égale à 2. Assurer le domaine D. On va assurer le domaine D. Et voilà. Ici, on a la courbe de f, x égale à moins 2, x égale à 2, la courbe c et ici l'axe des abscisses. Donc, ici, le domaine assuré. Donc, des domaines du plan limité par la courbe c, l'axe des abscisses et les deux droites, x égale à 1 et x égale à 2. Et voilà. Question B, soit V le volume du solide de révolution engendré par la rotation du domaine D autour de l'axe des abscisses, soit V le volume du solide de révolution. Donc on va tourner cette partie autour, pardon, autour de l'axe des abscisses. On va trouver un solide. Donc on va chercher le volume de... Du solide. Donc, soit V le volume du solide de révolution engendré par la rotation de D autour de l'axe des abscisses calculé V. Voilà le solide. Donc, on sait que le volume du solide est défini par l'intégrale de moins 2 à 2 f de x au carré fois pi dx. Mais il y a des conditions. Il faut que f soit continu sur l'intervalle moins 2, 2, et on a ça, on sait que f elle est contenu sur moins 2, 2. On sait aussi que f elle est positif sur l'intervalle moins 2, 2. Donc on peut chercher le volume v égale à pi intégral de moins 2 à 2, f de x au carré dx. On remplace f de x par sa valeur. Donc nous donne pi Intégrale de moins 2 à 2 x plus 2 au carré exponentiel moins x dx. On remarque ici que l'intégrale de moins 2 à 2 x plus 2 au carré exponentielle moins x dx égale à i2. Et on a calculé tout d'abord i2. Donc on peut remplacer alors i2 par sa valeur. Alors le volume du parti, donc le volume du solide de révolution engendrée par la rotation de D autour de l'axe des abscisses est égale pi intégrale de moins 2 à 2 f de x au carré dx égale à pi intégrale de moins 2 à 2 x plus 2 au carré exponentielle moins x dx et cette valeur est i2 on peut remplacer i2 par sa valeur alors on a v égale à pi fois i2 égale à pi facteur de e carré moins 26 sur E carré. Et voilà le volume du solide engendré par la rotation du domaine D. Bon travail et merci beaucoup nos chers élèves.